Voilà, je viens donc de finir la vidange du Hummer H2. J'ai fait exprès de mettre un petit peu moins d'huile qu'au niveau, de manière à éviter de casser le moteur. Je préfère rouler un jour ou deux avec, et après le mettre sur un endroit bien plat, et de refaire la pointe. Ne mettez jamais plus d'huile qu'il n'en faut. Si vous faites ça, vous cassez votre moteur. Et là, ça va vous coûter relativement cher. J'en ai donc profité pour faire les points de graissage sur la voiture. Je rappelle qu'il y en a 10 à l'avant et un à l'arrière. À l'arrière, c'est simple, c'est juste le porte-roue. Donc si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas besoin de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes points de graissage, je les ai faits la dernière fois, c'est-à-dire la dernière vidange, il y a 5-6 000 km. J'ai rajouté pratiquement au moins 2/3 de graisse. Donc il faut absolument le faire systématiquement. Ça, c'est quelque chose que je préconise de faire au moins 2 fois par an, les points de graissage. C'est hyper, hyper important pour garder le plus longtemps possible aux pièces. Voilà, donc la vidange est terminée. Je referai un appoint d'huile dans quelques temps. Et là, c'est reparti pour 5-6 000 km tranquille. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt sur la Hummerbox. Et là, vous me dites, elle est très, très jolie, sa cote. J'aimerais bien avoir la même. Si vous êtes sage, peut-être qu'un jour, grâce à la Hummerbox, vous allez pouvoir en avoir une. À bientôt.